Bonjour, bonjour tout le monde, comment nous y est? Moi salue nous dans le nom de Jésus-Christ. J'ai aujourd'hui à moi pour le présenter nous. Jeunesse, levez-vous et brillez. Moi pour parler nous de jeunesse l'église et jeunesse monde. Juste pour commencer, nous parler dans Ecclésiaste 12. Ecclésiaste 12, verset 2 qui dit: Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps. Car la jeunesse et l'or sont vanité. Nous parlons verset ça de qui jeunesse la parle. Juste vidéo ça c'est pour cabaye jeunesse conseil. C'est pour cabaye la jeunesse conseil comment pour vivre une vie qui agréable à Dieu. OK? Et me vient avec des versets pour capable justifier ça m'a dit. On prend Ecclésiaste 12, verset 2, pour toutes jeunes, ok, partout dans le monde entier. Qui dit, bannis de ton cœur le chagrin, étire chagrin dans le cœur, et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'or sont vanité. Ça, c'est de jeunesse mondial, ok, verset ça a parlé de la jeunesse en général, ok. Ou après, lumière, l'or, c'est que il a parlé de lumière. Ouais, jeunesse monde là gain lumière parle, OK? Jeunesse monde là gain lumière parle. Et après ça auteur l'a dit, ça Ecclésiaste dit, il dit lumière ça son lumière qui a passé, OK? Même Jean jeunesse ça passé, jeunesse monde là passé, lumière ça passé, mais qui ça dit yo, OK? Pour capable sauver, il dit étirer chagrin dans cœur. OK? Et pas Ecclésiaste pas dit jeunesse dans monde là pas prend plaisir. Il dit étire chagrin dans cœur et éloigne le mal de ton corps. Mais solution pour capable sauver jeunesse là. Qui ça dit éloigne le mal de ton corps. Comment on va faire éloigner mal là bon côté ou? Eh bien, c'est en acceptant Jésus-Christ, OK? Ou besoin accepter Jésus-Christ pour ca éloigner mal là bon côté ou. La jeunesse besoin mettre confiance en Jésus-Christ, OK, pour résister avec Satan, parce que sous pas quoi dans bon Dieu ou pas obéir avec ou pas résister à Satan. Premièrement, on besoin quoi dans Jésus-Christ qui t'a bail la ville pour l'humanité, OK, sur la croix. Après on pas résister à diable et on pas chasser. Conseil ça c'est pour jeunesse monde là et pour jeunesse l'église. Qui conseille nous de cabaye pour qu'à justifier conseil qui m'a la jeunesse de l'église. Nous va le prendre. Psaume 110, verset 3. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés. Du sein de l'or, ta jeunesse vient à toi comme une rosée. Là, nous voyons que jeunesse de l'église là, à sainte jeunesse de Dieu ou les enfants de Dieu, OK? Même Jean pour jeunesse monde là nous te dit c'est la jeunesse du monde et pour l'église on dit la sainte jeunesse de Dieu ou les enfants de Dieu, OK. Et dans Psaume 110 il dit ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée, OK. Si on l'armée on l'armée jeune, OK, l'armée jeune ça c'est l'église, parce que qui ça Jésus-Christ te dit. Il dit moun ki pou antre nan royaume celle-là, c'est moun ki soumet yo tan kou yon ti moun, c'est moun ki mete yo tout petit tan kou yon ti moun. On va voir tout moun ki accepte Jésus-Christ, m de ka di yo pa grand moun, yo pa fè sa ou vle ankon, OK, yo pa fè sa ou vle, mais yo vin des jeunes ou okay? Des enfants ka pou obéir avec bon Dieu. Et voilà pour continuer verset a dit toujours avec des ornements sacrés, avec des ornements sacrés. Ça veut dire c'est une jeunesse que bon Dieu a prend soin avec des ornements sacrés, c'est une belle jeunesse. Du sein de l'or, ta jeunesse vient à toi comme une rosée. Du sein de l'or. L'or ça nous voilà c'est lumière toujours et lumière ça pas c'est pour une lumière vanité. Nous voilà dans Ecclésiaste 12, jeunesse monde là, bien lumière c'est vrai, parfois il brille c'est vrai. Yo kon gen talent c'est vrai yo brillé, OK, mais lumière pa yo a vanité. Mais nou wal wè lumière pa jeunesse l'église an li pa vanité li même, OK, li pa vanité. Et parole la dit du sein de l'or ta jeunesse vient à toi comme une rosée. Là y a parlé de Jésus-Christ. Jésus-Christ gen jeunesse.
Discipline, c'est en jeunesse, la sainte jeunesse de Dieu. Nous besoin obéir avec bon Dieu. Et lumière pas noire, il pas jamais passer. Lumière pas noire éternelle. Et on lève jeunesse ça pour lever. Les mettre là va venir pour vous pour gouverner la terre. Jeunesse ça pour briller et gouverner la terre avec mettre là avec Jésus-Christ. On prend Deutéronome 1er verset 38 à 39. Côté bon Dieu qui ça dit Josué les peuple Israël là qui était sorti en Égypte, OK? Génération qui était sorti en Égypte là, après bon Dieu t'est détruit puis fort dans désert. Il pas quitter génération ça pas entrer Canaan. C'est petit qui était entré. Et ça fait ça, c'est parce que petit yo t'es innocent, OK? Yo pas connait ni le bien ni le mal. C'est une jeunesse qui t'est mal là, t'est éloigné bon côté. OK? Et Josué t'est fait partie de jeunesse ça. Et c'est Josué qui t'est à la tête pour mener jeunesse. OK? Josué t'est à la tête jeunesse ça pour capable mener la terre pour mise en. Jeunesse ça, c'était une jeunesse mal là, t'est éloigné bon côté, OK? Papa, monsieur, dame, ça a été désobéi, bon Dieu, parce qu'il est sorti en Égypte, il est arrivé dans le désert là, il a fait face à une équipe épreuve, mais il a commencé à désobéir, bon Dieu. Et peut-être ça, bon Dieu a été détruit. Et c'est petit qui entré dans Canaan que bon Dieu te promet, peuple Israël là, il te promet, papa. Eh bien, ces mêmes gens, jeunesse, l'église, nous besoin d'obéir, bon Dieu. Nous-mêmes, servante et serviteur de Dieu, nous besoin obéir bon Dieu. OK? Et nous allons voir dans Matthieu 18, dans Matthieu 18 verset 1 à 3. Où vraiment Jésus-Christ dit nous devons comporter nous comme des enfants pour nous capable d'entrer dans le royaume bon Dieu. Matthieu 18 verset 1 à 3. Matthieu 18 verset 1 à 3, qui ça Jésus-Christ dit? En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus. Et dire, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, je vous l'ai dit en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Eh bien, Jésus-Christ dit, nous besoin venir, nous besoin tant que Simon pour nous capable entrer dans le royaume bon Dieu. Nous voilà là, Jésus-Christ a parlé de en jeunesse. OK, de une équipe timon obéissant qui pour rester dans pied bon Dieu pour capable entrer dans royaume bon Dieu. Si jeunesse, OK, qui désattaché à mal là. On prend Adam et Ève malgré yo té bon Dieu té fait yo té grand monde, mais devant bon Dieu c'était timon yo té, parce que on prend sous temps Adam et Ève té, OK, Adler pour coup péché, c'était dispensation de l'innocence. Ça ça veut dire pas qu'on ni bien ni mal. Yo té tant que petit monde, yo t'a vivre, yo té gain devoir seulement pour yo obéir, OK, avec la parole de Dieu. Yo t'a vivre innocemment. Yo pas qu'on ni bien ni mal. Et ça fait bon Dieu té dit yo pigay al toucher l'arbre de la connaissance du bien et du mal là, afin que pour mala pas vinn attaché avec yo. Eh ben qui ça te vinn passer monsieur dame yo te désobéi, eh ben mala te vinn attaché avec yo et yo pas agréable dans yeux bon Dieu encore et bon Dieu te chasse yo. Eh ben jeunesse, la jeunesse de l'église, nous besoin attaché avec bon Dieu mais pas attaché avec mala. OK, nous besoin éloigner mala bon côté nous. Nous besoin attaché avec la parole de Dieu, l'arbre de vie. Mais c'est pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Nous pas devoir attaché avec les choses de la terre, parce que les choses de la terre, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il symbolise l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Lors attaché avec bagaille dans monde ça, il va produire la vie mais la produire la mort. Nous besoin attaché avec Jésus-Christ, nous besoin attaché avec bon Dieu pour capable gain la vie qui pas jamais finir. Eh bien m'a dit nous à la prochaine, que bon Dieu bénisse nous, portez-nous bien avec Jésus-Christ.